Ouais, c'est technique. Hein. Ouais, c'est pour les pieds. On les met à différentes hauteurs. Tac. Maintenant, on la retourne. Et voilà, ça ressemble à une violette. Très souvent, on parle dans les entreprises de situations de handicap, de contraintes, de subventions et autres. Moi, je voulais marquer le coup et je me suis dit comment faire, comment créer un événement, comment faire en sorte que le handicap soit un vrai levier de performance dans l'entreprise. Ouais, t'es mort, t'es malade. J'ai trouvé qu'un événement sportif comme le marathon pouvait être cet événement. Et pour le coup, on a réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, cette course Handirun, au travers des Joëlettes, existe et devienne un événement majeur. Là, il n'y en a pas. Une personne en situation de handicap arrive naturellement à emmener toute une équipe autour de lui. Ça permet aussi d'aller, pour chacun, aller plus loin. Ça donne un esprit positif, totalement positif dans tout le groupe. J'avais déjà cette envie de le faire, donc je suis vraiment contente parce que je pense qu'on va créer des sourires en fait. Alors il y aura nos sourires à nous, mais il y aura certainement, et je l'espère, le sourire de la personne qu'on va transporter. Mais dis donc, c'est une violette hydraulique. Elle est toute neuve. C'est une évidence en fin de compte. C'est un peu aussi dans le code génétique de cette entreprise. La solidarité, l'intégration de tous, au milieu de tous. Ça peut paraître bateau, mais c'est ce qu'on vit au quotidien en fait. Hein. Le menu de la matinée, c'est courir les 11 km tous ensemble. Voilà, normalement il y a un relais, mais on a décidé qu'on courait en équipe les 11 km. Ah, faut y aller, le chef a dit. Désolé, Nico, mais faut y aller. Un, deux, trois. Ouais. Bon pour tout le monde, une très jolie course et on se retrouve à la fin du parcours. Une petite chose, le classement se fera à partir de la rue de Strasbourg, sur les 8 premiers kilomètres. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et aux enfants, vous pouvez donner le timing, c'est vous qui donnez la cadence. C'est juste pour aller. Donc plus tôt on est parti, plus tôt elle profite et plus tôt elle s'éclate. Ben ça va là, elle est saine aujourd'hui. On est à 5,50. On va trop vite. On a couru plus vite que normalement à l'entraînement tout seul. Enfin moi en tout cas. C'est top. Je crois qu'il y a tous un moment où on était dans le rouge. Chacun à son tour. On est fiers pour Pierre, on est fiers du parcours. On est fiers de ce qu'on a fait. C'est la plus belle des récompenses, on a chaud, c'est un peu dur, mais quand on la regarde, on voit qu'elle est heureuse. Et plus ça crie, plus ça chante et plus elle est contente. Ça met la chair de poule. On partage un moment de bonheur avec eux.